Merci. Je vous présente donc Sally Bone, qui est maître de conférence à l'Université d'Amiens, qui a enseigné en école d'art pendant 24 ans, je viens d'apprendre, qui vous présentera son travail, mais en tout cas que j'ai invité pour des questions vraiment précises de ce qu'on appelle de manière très générale et large les écrits d'artistes. Et voilà, qui vient en fait demain au Cidre et rencontrer les étudiants qui vont sortir. Donc j'en profite, comme ça vous êtes un peu au courant des activités du troisième cycle de l'école, qui vont sortir un Azimut dans longtemps, dans 6-7 mois, autour justement de la question. Enfin, pour l'instant, le titre un peu de travail, c'est se permettre l'écriture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on est un créateur, artiste ou designer, d'écrire et pourquoi, enfin, la sous-question, c'est pourquoi il faut se l'autoriser, pourquoi vous êtes légitime d'utiliser ce médium, l'écriture. Voilà, donc dans le cadre du Cidre, on a invité trois personnes à intervenir. La première, pour ceux qui étaient là, Mathilde Sauzet, que vous avez rencontrée, Sally Bone, et puis il y aura Christophe Viard à la rentrée prochaine. Voilà, et donc du coup, Sally a gentiment accepté de venir un tout petit peu avant pour faire profiter justement à toute l'école et aux étudiants de l'école de ces axes de travail et axes de recherche. Voilà. Donc, et puis en plus, on a la chance d'avoir une forme un peu expérimentale de la conférence, puisque c'est plutôt sous un format conférence performée. Je me tais. Merci beaucoup, Emmanuel, de cette présentation. Alors, comme c'est effectivement une forme expérimentale, je ne vais pas expliquer de quoi je vais parler. Je vais démarrer directement. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être présents. J'ai inscrit à l'encre dans ma chair la ligature, celle de la conjonction. Celle-là, choisie entre toutes, Garamond, 1540, pour son équilibre et sa retenue, son tracé fluide et continu. Pas de fioritures, pas d'arabesques inutiles. Avec elle, et son joli nom léger et printanier, pleine d'espérance et fluette, rien n'est jamais fini. Tout est toujours à venir. Elle ajoute, elle est double aussi, elle agence, elle accole, elle vient s'inscrire entre deux noms, entre deux mots. Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais entre les deux. Et cet entre-deux est ouvert et infini. C'est la possibilité d'être multiple, d'ajouter, écrire et voir et penser et se taire et sentir et lire et toucher et trembler et parler et jouir et vivre et aimer. Le tatoueur porte un débardeur noir, il ne connaît pas ce motif. Je lui explique, lui raconte son histoire, lui montre une collection d'esperluettes depuis les graffitis de Pompéi jusqu'aux typographies les plus récentes. Nous convenons ensemble de la taille et je lui désigne l'emplacement, là, sur le bras gauche. À l'intérieur du poignet, où la peau est plus fine et plus blanche, plus lisse aussi, à l'endroit où la veine bleue affleure, remonte en surface, traverse en diagonale et se sépare en deux branches, comme les deux bras d'un fleuve. Il me prend le poignet et pose sur ma peau, vers l'extérieur, le motif imprimé sur du papier. Je le veux dans l'autre sens. Il tente de me convaincre qu'un tatouage doit être vu par les autres. Son argument semble imparable. C'est comme ça que tout le monde fait. J'insiste. C'est pour moi seul. Je veux le lire quand j'écris, le voir quand je parle. Il porte des gants en plastique violet. Il me tient le poignet. Avec un bruit de dentisterie, l'aiguille pique la peau, pénètre la chair fine à cet endroit, injecte son encre noire. Le tracé des veines se mélange au dessin de la lettre, liées et déliées. Ça pénètre, ça me pénètre, et cela produit un mouvement inverse où l'encre entre en moi au lieu d'en sortir. Allongée sur la banquette, je me souviens de la recette de fabrication de l'encre au vitriol, me demande de quoi celle-ci est composée, m'en inquiète vaguement, mais ne demande pas. Ça brûle, ça, le corps de la lettre, le corps du texte en devenir, l'encre noire du désir d'écrire, devenue bleue au contact de la peau. Après quelques jours, ça brûle encore et ça démange. Des morceaux de peau noircie, d'encre tombent, boucles et déliés, peau d'encre morte. Nos gestes sont en train de changer.
écrivait le philosophe Wilhelm Flusser en 1976 dans son ouvrage Les gestes. Le geste signale le rôle central de la main. L'homme est intelligent parce qu'il a une main, dit Anaximandre. La main, un outil, une arme, dit Aristote. Pour Giorgio Agamben, le geste constitue un troisième terme entre la praxis et la poiesis. Dans le geste, dit-il, c'est la sphère, non pas d'une fin en soi, mais d'une médialité pure et sans fin qui se communique aux hommes. Dans une histoire des gestes, il y a une spécificité du geste d'écrire. C'est un geste archaïque, un geste premier. Écrire, c'est gratter une surface. Graphein, le verbe grec, le dit bien. Écrire, c'est graver. L'origine de l'écriture, c'est de creuser la matière, de gratter la surface des briques mésopotamiennes avec des bâtons pointus. Écrire, c'est laisser une trace, creuser dans la matière meuble, dans l'argile ou dans la cire. Si l'on suit Michel Guérin, le philosophe, dans sa philosophie du geste, le geste revêt ainsi tantôt une dimension utilitaire, pragmatique, tantôt une dimension affective et expressive. Il paraît en tout cas révéler une propriété du corps humain et peut-être, au-delà du vivant, de signifier à même le corps. Cette question de la signifiance à même le corps me paraît essentielle, d'autant plus quand il s'agit de l'écriture, mais au fond de tout geste. Le sens n'est pas hors, mais pas en dehors, pas séparé. Il est dans le mouvement même, intégré dans les choses mêmes. Je pense qu'on peut écrire avec des images, avec des mots, avec des gestes, avec des espaces, avec des œuvres d'artistes, avec son corps, comme avec sa tête. Que l'écriture n'est pas réservée au seul espace du livre et qu'on peut la déceler, la trouver, la voir, la faire ailleurs, la déployer dans l'espace. Depuis plusieurs années, on parle de tentation littéraire de l'art contemporain, d'une littérature d'exposition ou d'une littérature hors du livre et même d'écriture sans écriture. Ce que j'entends alors par écriture ici n'est pas la littérature au sens noble, au sens fort, au sens historique du terme, même si elle en fait totalement partie, c'est une multiplicité de formes d'apparition possible du texte que je vois apparaître dans des expérimentations poétiques, aussi bien que dans des pratiques artistiques, dans des gestes, dans leur mise en relation et dans leur dialogue, dans l'inscription comme dans la scription. Dans ses variations sur l'écriture, texte dans lequel il reprend et poursuit les thèses développées par l'ethnologue André Leroy-Gourand, dans le geste et la parole, Roland Barthes considère qu'il ne faut pas séparer les phases matérielles-gestuelles et mentales-intellectuelles dans la pratique de l'écriture. Ce qui intéresse Barthes, c'est le scriptural et les processus d'écriture dans leur dimension physique et matérielle. Comme il le précise dans son introduction, il aurait dans un premier temps compris sous le terme d'écriture quelque chose de plus diffus, englobant des modes d'écriture, des styles collectifs, l'emploi spécifique de la langue par des scripteurs distincts qui, en écrivant, se réfèrent à un monde culturel existant. À présent, dit-il, dans ce texte écrit au tout début des années 70, il souhaiterait l'employer dans un sens manuel, relatif au corps. Je le cite, « C'est au sens manuel du mot que je voudrais aller, c'est la scription, l'acte musculaire d'écrire, de tracer des lettres. C'est en ce sens même que j'emploie ce terme de scription pour désigner ce que je tente de faire, d'une part, en écrivant, et aussi ce que j'explore à travers certaines pratiques artistiques contemporaines dans leur rapport à l'écriture. Cette relation au corps, corps du scripteur, corps du texte, corpus, me paraît déterminante. S'asseoir naturellement, tenir le corps droit et d'aplomb, ne pas placer, comme le conseillent certaines méthodes, le côté gauche plus près de la table que le côté droit. Il peut en résulter des attitudes vicieuses qui, chez les enfants, occasionnent la torsion plus ou moins prononcée de la colonne vertébrale et la déformation des côtes et des épaules. J'ai toujours été fascinée par ce processus, ce mouvement qui permet de transformer une idée, un motif imaginaire, aussi vague ou précis, nébuleux ou éclatant soit-il, et qui est là, dans notre tête, dans notre esprit, en une chose écrite, faite de signes manuscrits ou tapuscrits. J'ai toujours essayé de comprendre ce qui se passe entre la tête et le papier, et ce qui se passe, justement, par le corps. Ce que l'écrivain suisse-allemand Robert Walser nommait le long chemin entre le cerveau et le papier.
Robert Walser avait développé une méthode d'écriture miniature. Il disait écrire de 10 à 13 heures d'affilée. Mon dos en devient tordu car je reste souvent penché des heures durant sur un mot qui doit parcourir le long chemin entre le cerveau et le papier. En ce qui concerne l'auteur de ces lignes, il y eut un certain moment en effet où il se trouva pris d'une terrible, d'une effroyable aversion pour la plume. Un moment où il fut fatigué à un point que je peux à peine vous décrire, où il devenait tout stupide pour peu qu'il commençât seulement à s'en servir. Et pour se libérer de ce dégoût de la plume, il se mit à crayonner, à esquisser, à batifoler. Pour moi, à l'aide du crayon, je pouvais mieux jouer, composer. Il me semblait que le plaisir d'écrire pouvait alors reprendre vie. Je vous assure qu'avec la plume, cela avait commencé à Berlin, j'ai vécu une véritable faillite de la main. Une sorte de crampe, de pince, dont la méthode du crayon m'a libérée difficilement, lentement. Une impuissance, une crampe, un étouffement sont toujours quelque chose de physique et de mental à la fois. Je passais donc par une période de délabrement qui, en un sens, se refléta dans l'écriture, dans la dissolution de celle-ci, et c'est en recopiant mon modèle au crayon que, comme un gosse, j'ai réappris à écrire. Je crois qu'il y a une langue de l'œil et que celle-ci se déploie en formes diverses. Dessin, installation, peinture, édition, photographie, etc. Et que la main y joue un rôle prégnant. Hans Holbein, étude de main pour le portrait d'Erasme. J'entreprends cet éloge de la main quand m'en remplit un devoir d'amitié. Au moment où je commence à écrire, je vois les miennes qui sollicitent mon esprit, qui l'entraînent. Elles sont là, ces compagnes inlassables, qui pendant tant d'années ont fait leur besogne, l'une maintenant en place le papier, l'autre multipliant sur la page blanche ses petits signes pressés, sombres et actifs. Par elles, l'homme prend contact avec la dureté de la pensée. Elle dégage le bloc. Elle lui impose une forme, un contour et dans l'écriture même, un style. La possession du monde exige une sorte de flair tactile. La vue glisse le long de l'univers, la main sait que l'objet est habité par le poids, qu'il est lisse ou rugueux, qu'il n'est pas soudé au fond de ciel ou de terre avec lequel il semble faire corps. L'action de la main définit le creux de l'espace et le plein des choses qui l'occupent. Henri Faucillon, dans Éloge de la main, 1934. Ce que je vous propose ce soir est une déambulation dans des textes, des objets, des formes, des œuvres, des espaces, pour aller à la recherche comme si nous menions l'enquête, des traces de l'écriture. Quand je dis traces, je pense aussi bien à l'origine de la naissance de l'écriture qu'à des gestes qui la convoquent ou la reprennent dans des pratiques artistiques contemporaines. J'ai entamé un travail de recherche sous forme d'enquête, pas au sens sociologique, mais à celui d'une accumulation d'informations, de recueil de paroles vives, écrites machiniquement pour la plupart, ou délivrées oralement auprès d'artistes, d'écrivains, de poètes, d'historiens ou de théoriciens de l'art. Je ne leur pose qu'une seule question, une phrase, et leur demande de me dire ce que cette phrase leur suggère. C'est sans doute pour tenter de comprendre ce qu'est cette scription dont la définition est l'écriture en tant que suite de gestes. Je leur demande simplement de me dire ce que cette phrase leur suggère, aussi bien d'un point de vue réflexif que du point de vue de l'imaginaire. J'ai actuellement une soixantaine de réponses, sous toutes les formes, laconiques ou lapidaires ou développées, réflexives ou imagées, des poèmes, quelques verbes, des dessins, des lettres. Je vous en propose maintenant une forme fragmentée et agencée. Des phrases multiples qui entrecroisent mots d'artistes et d'écrivains, parfois les deux, de poètes, de philosophes. Un tissage de mots, de phrases, qui vient faire écho aux récits et aux images qui traversent tout mon travail. Voici donc une partition libre à partir de cette enquête commencée en 2018. C'est très étonnant. Intuition, hasard ou kairos, en tout cas j'ai commencé il y a peu l'écriture d'un livre intitulé « Gestes ». Post-scriptum, à attendre la nuit, à scruter mes déroutes assis sur le canapé des heures durant, à fumer des clopes et boire du whisky et prendre toutes sortes de drogues, à vivre intensément, à étreindre, embrasser, prodiguer des caresses, à désirer sans fin, à trembler et hésiter, à frémir, à frissonner et frémir encore, à regarder le monde figé par la fenêtre,
à guetter des réponses, des futures, des furtives épiphanies, à saisir l'instant, accepter la perte, à cultiver notre avenir spectral, à se diaphaniser, à laisser couler l'encre au bout du stylo, goutte à goutte, à ressasser sans cesse, à mordre la poussière, à se livrer sans retenue à l'énorme plaisir onirique, à venir, c'est cela, cela seulement et rien d'autre, et peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encore, et pas même plus. Et cette réponse d'Anne-Marie Albiac à un entretien. Rien d'abstrait dans cette opération. Par exemple, quand je parle du poignet, c'est le poignet concret de l'écrivain, l'articulation qui permet d'écrire avec la faiblesse et la force qu'elle comporte. Tramer la surface du papier, jouer avec les transparences du papier calque qui multiplie les facettes des signes, des lignes, signes répétés, croisés, battements continus, frapper, frapper, frapper la feuille, le papier carbone, doubler et redoubler, passer une fois, deux fois, plusieurs fois. Il y a de l'écriture comme geste dans mon quotidien entre 8h22 et 8h25. C'est l'heure où Yaël, arrivée en classe, écrit son nom sur un papier. En dessous de lui, de celui de ses camarades. Petit exercice quotidien, rituel du matin qui se fait en présence des parents avant que la journée commence. Et je le vois galérer, recommencer sans cesse son Y qu'il imagine comme un petit arbre qu'il faut retailler, arranger, élaguer. Apprendre à écrire, c'est d'abord apprendre à coordonner un geste, appuyer sur le crayon sans trouer la feuille, enchaîner les gestes sans se disperser. Écrire, c'est biffer. Salir, recouvrir, trouver le bon outil pour affirmer une graphie qui tienne dans l'instant la durée. Ou bien, c'est écrire à l'encre sympathique, écrire à la craie sur un tableau noir, avec toujours la possibilité d'effacer ce que je viens d'écrire. Comme un chat recouvre de cendres sa merde encore fumante. L'inscription comme scansion d'un geste de rejet et de retenue à la fois, puisque le geste de rejet est conservé. L'inscription comme œuvre plastique visible. De fait, l'inscription, c'est aussi ce qui va maintenir. Trace en train de se faire, dessin cousu par la pensée et la main, pensée prenant autre forme, savoir-faire, écriture comme mémoire de geste, apprendre à écrire, action, mouvement, manipulation, maintenant, main tenant. Ta phrase me fait penser à une autre, celle de Robert Bingerst, qui dit dans « What is reading for ?»« Les mots ne sont ni des choses, ni des images de choses, ils sont des gestes, parlés ou écrits. » Un oscillement constant, un corps rompu, déformé, dos courbé, posture de billet qui induit une écriture de même teneur. Penché, sachant à peine suivre les lignes, au délier des lettres un peu mou et prêt lui aussi à s'aplatir pour se fondre. Et puis soudain, la conscience de soi, le redressement. Le corps se tend, s'élève, se tient droit sur l'assise. Le corps est maintenu, tendu vers son unique destination, l'écriture. On aménage parfois des prothèses volumineuses à ce corps hybride qui dépasse de loin la taille de la machine enregistreuse. Ça fait corps, un corps monstrueux dédié à l'image qui n'existerait pas sans elle, qui la valide, qui l'ancre dans le réel. C'est un corps pétri d'injonctions, d'ordres inaudibles qui maintiennent ce corps en vie pour qu'il enregistre et continue de le faire. L'écriture passe ensuite sur la table de dissection. Dans mon cas, je renverserai la phrase. Le geste comme écriture, comme trace, comme inscription. Le geste d'écrire est celui qui donne corps à toutes les pensées surgies en amont et à toute l'expérience traversée pendant le temps de l'écriture. Mouvement du corps, respiration, sensation, tout ce à quoi l'épiderme donne en permanence accès pour qu'il s'immisce dans l'écrit, à la fois indépendamment de la vie et littéralement ancré en elle. J'habite quotidiennement le lieu de la bibliothèque où j'adopte la posture de l'artiste chercheur, de la théorie et de la pratique de l'art, des mots et des choses, du texte et de l'image. Cela n'est pas sans incidence sur mon processus de création ou encore d'inspiration. Dans cette architecture de mémoire, dans cet organe du savoir, je prends place et je travaille. Je fais donc usage de la bibliothèque, de sa matière, de ses appareillages, livres ou encore catalogues, de sa masse de données, de sa technique mixte et du vertige qu'engendre cette structure de la pensée. Je vois la photographie comme la lumière qui sculpte l'information en grignotant la surface sensible. C'est pour ça que je présente toujours l'original, la modification par la lumière qu'un lieu inscrit dans le support jusqu'à sa reproduction qui perd l'essentiel, le geste d'écriture, l'origine. Voilà, tu parles de geste et moi je dérive vers la trace,
la marque. Spontanément, j'aurais tendance à préférer le terme mouvement à celui de geste, car on y retrouve l'émotion, même étymologie. Et que c'est aussi un terme utilisé en musique. Tempo, de larghissimo, 40, à vivacissimo, 200. Mais aussi section d'une forme musicale qui en comporte plusieurs, sonates, symphonies, sachant qu'un mouvement de musique est aussi affecté d'un unique tempo. Le geste, c'est aussi l'objet, inscrire des paroles sans corps dans une réalité matérielle, dans l'espace commun qui est aussi celui des marchandises. Une chose m'est venue, je l'ai sentie dans ma bouche, quelque part entre le palais et la langue. Il me fallait un mot à deux syllabes, en ad ou ab. Je pensais pommade, puis m'arrêtais un instant à brimade. Je me suis dit alors bleu brimade. J'ai pensé, oui, c'est intéressant, il s'agira de cyanotypes dans ce livre. Je me suis émerveillée de combien ma langue travaillait plus vite que mon cerveau. À aucun moment je ne m'étais dit, il faudra parler de cet aspect, la couleur, le cyan. Mais ma langue, dans sa nécessité rythmique et sonore, l'avait convoquée. Et déjà, je trouvais ça beau. Je répétais, bleu brimade. Cette idée de suite de gestes me suggère l'importance de la recherche, de l'écriture en tant que recherche, de quelque chose de transitoire et toujours en transit, comme un poème, un mantra qui nous emmène ailleurs. L'écriture en tant que suite de gestes, une notation chorégraphique, un geste en toute fin plutôt médiévaliste, pour en reparler plus tard avec les mains. Et puis aujourd'hui, alors que je me baladais, j'ai croisé un peu par hasard Fifi Brindacier. Je lui ai montré l'écriture en tant que suite de gestes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a couru de droite à gauche, la main en visière. Les chercheuses de choses, ça trouve pas mal de trucs. Des pépites d'or, des plumes d'autruche, des rats crevés, des pétards, des vis minuscules, des clous. C'est vraiment notre jour de chance. On a trouvé une adresse sans adresse. Et deux verbes, prescrire et propulser. Cette suite de gestes est comme une linéarité fragmentée, une pensée du geste en expansion. L'écriture n'est pas habit de la pensée, mais scription opérante, disaient les auteurs de Tel quel, cette revue de littérature d'avant-garde fondée en 1960. Pour Barthes, la scription ressortit de l'écrire même. Il s'y intéresse notamment en regard de l'œuvre de Cy Twombly. Dont il dit que de l'écriture, Twombly garde le geste, non le produit. Il distingue dans son cas, je le cite, le message qui veut produire une information, le signe qui veut produire une intellection, et le geste qui produit tout le reste, le supplément, sans forcément vouloir produire quelque chose. Barthes avait d'ailleurs une pratique de dessin parallèlement à sa pratique d'écriture et sur l'écriture. Son cours sur la préparation du roman fourmille de références aux gestes, aux postures, aux préparatifs, à tout ce qui entoure le texte, à tout ce qui le constitue hors de son sens et lui donne sens malgré tout. Déclinant tous les modes du désir d'écrire et de ce qu'il nomme le scriptible. Le texte scriptible, c'est nous en train d'écrire. Le scriptible, c'est le romanesque sans le roman, la poésie sans le poème, l'essai sans la dissertation, l'écriture sans le style, la production sans le produit, la structuration sans la structure. Le scriptorium, rappelle-t-il, est l'atelier d'écriture du monastère où les moines copistes recopient et illustrent à la main les textes religieux. L'écriture dont il est question n'est pas la transcription d'une pensée, élaborée dans un ailleurs intelligible, dans l'abstrait ou dans l'esprit seul de pur de toute matérialité. L'écriture est ce par quoi la pensée se conçoit, sa réalisation même. Je suivrai là Clément Rosset, qui, dans le choix des mots, fait de l'écriture, et ce, contre une tradition qui, de Platon à, en passant par Diderot, accorde à la parole, aux pensées volatiles, contre l'écriture, une valeur supérieure, en tant qu'elle ne fiche pas la pensée, ne l'immobilise pas, ne l'emprisonne pas. L'espace même de la pensée, le lieu de son élaboration. L'écriture comme une pensée en acte. La scription porte propre aux nouvelles pratiques d'écriture est la forme et le nom de cette pensée en acte. La scription est une incorporation.
propre à certaines pratiques d'écriture d'artistes contemporains, comme le nom d'une pensée en acte qui se déploie par le biais de la main, la trace, le corps. L'enjeu est de faire du geste d'écrire un geste artistique. Ce n'est pas tant le mot que sa trace, pas tant la phrase que le geste d'inscription ou de diction. Les artistes développent des stratégies d'effacement ou au contraire de matérialisation de la langue en creusant dans l'histoire des gestes, car le geste d'écrire, je l'ai dit, nous le savons, est un geste archaïque. Empruntant aussi bien au régime du signe qu'au régime de l'image, empruntant aussi bien au régime du signe qu'au régime de l'image, il se situe à l'intersection, dans une zone intermédiaire qui pourrait être de basculement d'un régime à l'autre, en suspens entre l'abstraction du sens et la figurabilité de l'objet, en reconfigurant un territoire qui n'emprunte pas au langage directement, mais qui le dépasse, dans le temps, pour aller vers ses origines. Cette pratique nouvelle, cette scription à l'œuvre, échappe au surplomb du langage et retrouve une dynamique du sens insoumise. Un acte, une pensée, un acte, en acte, reproduite par le geste. Ils sont nombreux, les inventeurs de l'écriture, si l'on veut bien croire aux légendes. La plus belle, sans doute la plus vraie, la plus juste, la plus inscrite dans la réalité de son temps, la plus touchante, est celle du roi d'Uruk. À Sumer, le roi de la cité-état d'Uruk, Emerkar, souhaitait embellir le temple de la déesse Inanna de matières précieuses venues d'Iran, de la ville mythique d'Arata. Enmerkar envoie un messager auprès du seigneur d'Arata qui le met à l'épreuve en lui demandant en retour de lui apporter du grain dans des filets. Enmerkar trouve une astuce pour répondre à la demande et les échanges se poursuivent, le messager multipliant les allers-retours entre les deux cités séparées par 7 chaînes de montagnes. Jusqu'au jour où le messager oublie le message du roi d'Uruk. Il ne peut le retenir. Sa bouche est trop petite, trop lourde, trop pleine, le message trop long. Le seigneur d'Uruk a alors l'idée de lisser de l'argile et de graver son message que le seigneur d'Arata parviendra à comprendre, magiquement, même si les mots sont de simples marques de clous. Tout est voyage. Je le vois, ce messager, comme je vois la petite fille, la bouche pleine et gonflée de mots. Il va vite car il a peur de les perdre. Il monte et redescend des pentes montagneuses, comme la petite fille montait et descendait le tracé de la lettre. Ils se ressemblent dans leur application, dans leur tension, dans leur volonté de bien faire. C'est si précieux, les paroles transmises, c'est un trésor. Et puis il y a les autres histoires ou légendes où l'écriture est un don divin qui transmet les paroles sacrées. En Mésopotamie, il y a Nabou, le scribe de l'univers. Dans le détat d'Égypte, à 300 km au sud du Caire, aux confins de la Thébaïde, un ibis au long cou et au bec noir, recourbé, fouille le limon pour se nourrir, son bec comme un calame. On l'appelle Thoth, le scribe parfait aux mains pures, substitut de Ré sur terre. Mais parfois, Thoth est un babouin aux yeux jaunes et perçants, criant dans le matin naissant. Si on va plus loin vers l'Est, c'est une succession de 3 grands ancêtres qui président à l'invention de l'écriture. 3 empereurs mythiques de la Chine et une femme, Fu Hao. Au XIIe siècle, elle est chef de guerre et devineresse. L'écriture sert aux pratiques divinatoires. Dans son tombeau sont déposées 350 inscriptions à son nom, ainsi que des armes. D'autres mythes ou histoires, aztèques, runiques, mayas, touaregs, tracent une géographie scripturaire étendue et féerique, des écritures mésoaméricaines à celles de l'île de Pâques ou de la vallée de l'Indus. Dans les sagas nordiques, les runes sont des inscriptions magiques, une écriture secrète. En chaque endroit, l'apparition de l'écriture ou son invention est liée à la nécessité de se donner un nom à soi-même et de nommer les choses du monde pour s'ancrer, se situer et dialoguer avec l'au-delà. Les scribes sont des devins, traducteurs de l'invisible devenu visible. Tous ces scribes sans nom, passeurs d'écriture, auteurs de rien, sinon de ce geste disparu à jamais, que sont-ils devenus ? Quelles traces ont-ils laissées ? Une lignée de gestes, de courbes, de coins, sans signature. Parler de gestes d'écriture suggère d'abord la main qui écrit. Souvenir enfantin, sans doute, de l'apprentissage de l'écriture et de la formation des lettres. Je me retourne et parcours la distance qui me sépare de cet enfant à la frange blonde. Je la vois qui écrit. Elle forme des lettres,
sa chaise est serrée contre la table ronde de la salle de classe, non loin de la fenêtre qui donne sur la cour de l'école, entourée d'une haie et d'une grille remplie d'enfants qui jouent. Elle est seule assise dans la salle commune et se rapproche encore de la table en tirant sa chaise. Elle veut, je le sais bien, être encore plus près de la table, du papier, du travail à fournir. Ne pas être séparée de la table, de sa surface, de la feuille blanche, les avant-bras posés, le corps penché, le dos rond. Elle forme des lettres, lentement. Elle s'applique à écrire entre les deux premières lignes, à tracer correctement le rond du D et à monter la barre jusqu'à la deuxième ligne. Il ne faut pas dépasser. Le K est compliqué, le F aussi. Beaucoup de courbes, de volutes. Mais le O est facile à former et agréable, avec sa toute petite vague ou ce tout petit nœud sur le dessus. Le U qui s'insère bien entre les lignes horizontales. Elle aime ce geste. Deux fois le même. Point d'attaque, ça s'accroche en légère courbe et ça monte verticalement. Ça redescend sur la même ligne, puis ça suit le trait horizontal en un très léger demi-cercle. Et ça remonte doucement, au même niveau. Puis ça redescend, à nouveau, petite accroche sur la fin en remontant. C'est fini. Elle a fait le U. Certaines lettres sont plus agréables que d'autres à tracer, procurent un certain plaisir. Il faut que ce soit propre. Elle va doucement, elle est concentrée. Elle approche encore sa chaise, ça serre, ça fait mal au ventre. La respiration un peu bloquée, car la table appuie dessus. Elle s'applique, le corps courbé, le visage contre la feuille, presque posé sur le bras nu, comme si elle allait s'endormir. Alors qu'elle essaye de bien tenir son stylo entre le pouce et le majeur, l'index le maintient. Elle serre fort là aussi, parfois son doigt blanchit. Elle continue, une autre lettre. Ça monte, ça descend, ça fait comme un lacet le L. Pour le M et le N, il faut compter les petits ponts. 2, 3, parfois elle se trompe. Ce sont de tout petits dessins. D'abord des ronds, des courbes, des cercles, des demi-cercles, des traits droits horizontaux ou verticaux, des petits points, des pattes de mouche. En regardant de près, ce n'est rien, que des tracés noirs sur le papier ligné de bleu, des petits dessins, des signes. Ça ne veut rien dire. Un son, une forme, mais quel sens? Le sens immédiat, c'est la réussite du geste, l'application à reproduire le tracé qu'on lui désigne et qu'elle doit dessiner, former, écrire. L'action de copier ou de recopier à laquelle se livre l'artiste Jean-Christophe Normand, ce sont ces signes tracés, qu'ils fassent sens ou non, et c'est une autre histoire. Dans un courant dans lequel on trouve des artistes comme Irma Blanc, ou Pierrette Bloch, Nicolas Aiello mêle le geste de l'écriture à celui du dessin, l'un et l'autre se fondant dans un même mouvement de la main. Le mot devient une forme graphique d'une expérience observée. Cela produit un brouillage par l'écriture, par son geste, entre ligne de la main et ligne d'écriture, s'adossant au temps présent et au temps qui passe. Le jeu lisible-illisible se retrouve dans un certain nombre de travaux. Il est moins question de faire lire que de voir, mais sans doute aussi moins de faire voir que de situer le geste dans un retrait. Celui-là même qu'on a vu tout à l'heure dans les microgrammes de l'écrivain Robert Walser, dont l'écriture, miniaturisée à l'extrême, gardée secrète, était l'exploration d'un territoire qu'il nommait celui du crayon, dans une attention très poussée à l'acte même de l'écriture. Dans sa série « Les messagers », Agnès Jaufray écrit à la main sur des fragments d'images ou des supports divers, des extraits de lettres de prisonniers de guerre. L'écriture minuscule rend impossible la lecture à l'œil nu et nécessite une loupe. À la série Les Messagers, fait pendant Les Impassibles, photographie de gestes et de mouvements de mains, certaines marquées de mots. C'est aussi le geste qui importe dans l'ensemble de morceaux de soie colorée sur lesquels sont inscrits à la machine à écrire des messages en allemand destinés à être dissimulés dans les poches des soldats que distribuaient Claude Cahun et Suzanne Malherbe pendant la guerre. Dans nombreux de ses travaux, Agnès Jaufray convoque l'écriture et la main parallèlement à une pratique de l'image. C'est la main, chez elle, qui fait le lien entre les mots et les images. Et Stéphania Peñafel-Loïsa travaille depuis plusieurs années sur une série qui se déploie en différentes cartographies à partir du livre « Équador » d'Henri Michaud.
Ce récit de voyage initiatique dans le pays de naissance de l'artiste sert de support à une série de travaux photos et vidéographiques. Estefania Peñafel-Loiza entre en dialogue avec Michaud, prenant là un chapitre, là une ligne du livre, pour en faire une œuvre. Le chapitre « La crise de la dimension », par exemple, donne son titre à une vidéo dans laquelle on voit les doigts imprégnés d'encre noire qui frottent et appuient sur la page blanche d'un livre, ouvert, et font apparaître progressivement les mots. Le texte, dactylographié, vient de la main, renouant avec les pratiques les plus anciennes, mais en les mimant. C'est une écriture par contact qui assume d'être travaillée artificiellement et remontée par la vidéo. Dans la série Cartographie 3, c'est une main au doigt qui se charge progressivement de l'encre des mots tapuscrits, imprimés et noircis d'une image à l'autre. L'imprégnation devient incorporation. Sphère écrivante, 1867, Malling Hansen, modèle de la machine de Friedrich Nietzsche. Dans une lettre à Peter Gast, il écrit « Nos outils d'écriture participent à l'élaboration de nos pensées. » Leonora de Barros, poète concrète et visuelle brésilienne. L'incorporation de l'écriture peut aller jusqu'à son effacement, sa disparition. Le geste d'effacement implique la main. Maurice Fréchuret, né à Saint-Étienne, en a fait un geste artistique en soulignant le paradoxe. Il avait également inscrit ce geste dans une filiation scripturale, rappelant qu'effacer est un acte lié à l'apprentissage de l'écriture. Le geste d'écrire contient son propre effacement. Leila Bred poursuit depuis plusieurs années un travail appliqué de monochrome sur papier dans un geste répétitif où l'acte de faire, la main et les variations importent autant que le motif. Elle procède par recouvrement, découpe, copie ou ponçage. Elle développe actuellement deux séries dont l'une est le résidu de l'autre, des estampes poncées qu'elle nomme macules et des poussières d'encre et de papier. Dans une série plus ancienne, toujours en cours, intitulée « Mille et une nuits, copie aveugle », elle a recopié au fusain, page par page, l'édition Princeps de 1704 téléchargée sur le site de la BNF, sans regarder ce que faisait sa main droite sur la feuille. Le résultat est un texte dont les lignes se perdent ou se chevauchent dans la matière noire et brumeuse du fusain et dont la main efface à mesure qu'elle écrit. L'écriture s'évanouit et donne à voir une image du texte qui en est une interprétation ou une transcription. Marianne Mispaler s'intéresse aux langues et au langage, à ses représentations, aux gestes qui les produisent aussi. Son travail se décline en dessin, écriture, gestes, performance. Dans une action performative et collective de dessin, elle invitait à reporter sur une feuille blanche les lignes tracées à l'intérieur de la main jusqu'à recouvrement. No Man's Land faisait apparaître à même le corps des participants l'image de ce qui efface leurs empreintes en traversant les frontières. Dans sa bibliothèque des silences, un travail en cours depuis 2017, elle dresse la liste des langues éteintes qu'elle inscrit au mur de la galerie et du lieu qui l'accueille, au fusain, en notant toutes les informations, puis elle les efface pendant l'exposition lors d'une performance. La trace de l'effacement est aussi celle du souvenir. Le corps, toujours présent, fait acte. J'ai dans ma bibliothèque un livre d'effacement de traces. Il ne reste rien du texte d'origine, uniquement ce qui a été supprimé. L'intention du livre est cependant de maintenir devant les yeux l'écriture d'annulation, de retrait. On voit ainsi le mot supprimé et on peut suivre la succession des effacements. C'est la sconsion d'un geste, de rejet et de retenue, puisque le geste de rejet est conservé. De fait, l'inscription, c'est aussi ce qui va maintenir. C'est le geste qui conduit au maintien. Il maintient même l'effacement puisqu'il le trace. Je pense à la tentative ironique, autant qu'éperdue, de Marcel Broutars, penché sur une caisse en bois, dehors, et trempant sa plume dans l'encrier pour écrire dans un grand cahier et traçant à l'encre des lignes qui disparaissent sous une pluie lourde et artificielle, une pluie exagérée qui ne tombe que sur lui.
Il continue, malgré l'eau qui dilue l'encre et efface ses mots, jusqu'à rendre les armes. Il n'y a plus rien à dire, rien ne reste. Chaque fois que je désespère, je regarde ce film, La pluie, projet pour un texte, on le trouve facilement. C'est si drôle et si tragique, une joie amère. On peut produire l'effacement. À Venise, dans un des pavillons de la Biennale, au bord de la lagune, son odeur de vase, de pourri, d'eau sale mêlée au bruit des bateaux, petits et gros, ce qui frappe, c'est une multitude de cahiers ouverts aux pages déployées qui me rappellent la merveille de cet enfant poète, installé au milieu des livres aux pages flottantes, exposé à l'air, au soleil et au vent, dans le film Sayat Nova de Parash Danov. Elles sont disposées sur une rampe monumentale de près de 5 mètres de haut dans sa partie élevée qui remonte du sud vers le nord à l'abri d'un pavillon au plancher de bois. Elles sont blanches, vides, aveuglées de réel. Par milliers, les pages froissées, séchées, gondolent, papier jaune ou blanc ou gris pâle, vierges, lignées ou quadrillées, couvertures bleues, rouges, vertes, jaunes, grises, noires, roses, beige, marron, orange, imprégnées et durcies de sel. Cahiers échoués. Elles viennent d'ailleurs. Ils ont voyagé et il faut prêter l'œil et l'oreille à ce qu'ils portent en eux. Un texte invisible, un texte illisible, écrit par la mer. On s'interroge, que dirait la mer si elle pouvait écrire ? Surtout cette mer-là, la mer des origines, des récits, cette mer des voyages et de l'errance. Ces pages flottantes racontent les récits de ceux qui nagent depuis longtemps dans les eaux profondes de cette mer dite vineuse, mais que je vois bleue, grise ou violette. L'auteur est parti à leur recherche, les a collectés, les a accueillis dans les pages de ses carnets dont il tourne les feuilles sous l'eau, penché, accroupi sur le rivage, les mains tournant une à une toutes les pages du cahier, le papier alourdi se pliant dans l'écume, la vague et le ressac. C'est le scribe aux mains mouillées. Il n'écrit pas quelque chose, il écrit sans écrire. Il ne veut rien graver, il privilégie le flux, le mouvant, l'impermanent. Il rend compte d'un invisible, celui de la multitude des spectres qui hantent ses flots. Son geste accompagne la parole, sa main participe au langage, son geste est délicat et attentif, son geste est d'écriture, une écriture sans écriture. Il invite de sa main, il manie littéralement les mots insaisissables, les mots indécelables, les mots secrets et la rumeur, dans toutes les langues. J'imagine tous ces mots qui flottent à la surface de l'eau, tous ces mots qui se déposent sur le papier blanc en une multitude de récits invisibles. On dirait une bibliothèque de la mer. Installée dans l'ancienne halle au blé depuis la fin du XIXe siècle, elle n'est qu'à une dizaine de minutes de marche de la gare de cette ville où je suis née mais que je ne connais pas. Il fait particulièrement beau ce matin d'automne, les rues sont presque vides, le soleil encore bas. J'ai l'impression d'entrer dans un souvenir que je n'ai pas. J'emprunte les rues en suivant les panneaux indicateurs. De grandes avenues, puis de larges rues, puis des rues plus étroites à mesure que l'on entre dans la ville, qu'on en pénètre le cœur et qu'on remonte l'histoire. Route de Colmar, boulevard du Maréchal Foch, rue du Cerf et rue de la Cigogne. Après, rue des Clés, place d'Armes, place des Marchands, rue des Serruriers et rue du Sel. Je ne connais pas, pourtant je reconnais. J'arrive sur une place, la rue à droite est éblouie de soleil et la façade de la bibliothèque humaniste apparaît en contre-jour. Je dois traverser le rayon de lumière et me mettre dans son ombre pour la voir. Bâtiment néo-roman en grès rose, sur la façade ouest, une mosaïque est surmontée par l'inscription Stadtbibliothek-Museum en lettres art déco bleu-gris sur bleu pâle, à droite d'un lion couronné, blason de la ville de Célestat, d'argent au lion couronné de gueule, et à gauche d'un aigle. La porte d'entrée est dans l'ombre. À l'étage, tout s'éclaire et ça vole. Une nuée de papillons blancs suspendus dans l'air et figés occupe l'étage à hauteur du regard. Les livres ouverts et protégés par des vitrines parsèment l'espace jusqu'au fond de la salle. Ils prennent la lumière en leur centre, à l'endroit de la pliure, dans la fente, épinglés et ouverts, les pages comme des ailes déployées. Quelques visiteurs, allemands pour la plupart, attentifs au texte, penchés sur les livres afin de déchiffrer les écritures latines ou germaniques. Il y a là des trésors. Un manuscrit sur parchemin datant du 7e siècle, le lectionnaire mérovingien, un manuscrit sur parchemin de Tertullien du 11e siècle, d'autres du 12e, des livres de Raymond Lull, imprimés sur papier en 1500, des ouvrages humanistes, Éloge de la folie, d'Erasme,
imprimée en latin sur papier en 1522, la Bible de Martin Luther, imprimée en latin sur papier. Les parchemins sont épais et denses, bosselés, plus sombres sur les bords que les pages des livres qui sont lisses et claires. Une grande partie de ces ouvrages fait partie de l'héritage de Beatus Rhenanus, qui les a offerts à sa ville natale. Beatus Rhenanus est né à Célestat, au mois d'août. Moi aussi. Il est du signe du lion. Il est allé étudier à l'université à Paris. Moi aussi. Je cherche d'autres correspondances, et il y en a, mais celles-là me suffisent, faisant de Beatus un double lointain dans une autre généalogie. À l'époque, l'école latine où il suit un enseignement humaniste est très réputée. Vers 1498, Beatus a entre 13 et 14 ans, il habite rue du Sel, il s'appelle alors Beat Bild, Bild qui veut dire image en allemand. Beat est alsacien, Beat est allemand et n'a pas connu sa mère. À l'école, il est sérieux, il s'applique. L'une des premières choses que l'on découvre en entrant dans la salle située à l'étage de la bibliothèque, devenue musée, c'est son cahier d'écolier, ouvert à la page de l'interprétation du livre 5 des Fastes d'Ovide. Il a recopié un extrait du texte, l'a annoté dans la page prévue à cet effet et d'une plus petite écriture, fait des commentaires entre les lignes. Beatus s'instruit avec les fastes. Heureusement, chaque année, la douceur de la fin de l'été s'allie à la joie de la rentrée. C'est là aussi que ça commence, et ça recommence chaque année à nouveau. Un cartable, parfois neuf, accroché par ses deux bretelles au dos d'une chaise, attendant d'être rempli. Les cahiers, grand format, grand carreau, petit carreau. Les protège-cahiers, transparents ou opaques, vert, bleu, rouge, jaune, le cahier de texte où s'égrèneront les jours et les devoirs, la trousse, la gomme, les stylos, les crayons, le bonheur. Et ce nom que je peux écrire sur chaque première page avec application et lenteur, sur chaque cahier. Je suis attentive à chacune des lettres, aux courbes, à la ligne, j'ai appris les majuscules. Ouvrez vos cahiers à la première page. Je tourne la couverture de carton, passe ma main sur le papier lisse, le caresse presque, en sent l'odeur, les lignes horizontales plus ou moins bleues ou violettes, et cette unique ligne verticale rouge qui structure l'ensemble. C'est si beau, une page. Je prends mon temps et savoure. Là, je peux. C'est l'endroit. Parce que quand je le fais sur le mur de ma chambre ou ailleurs sur les murs de la maison, tracé au stylo, un peu vite et maladroitement, on me dit « le nom des fous s'écrit partout ». Cette phrase fait peur et honte et elle rend toute petite. Et bien sûr, j'entends cette folie, inscrire sa présence de peur de disparaître, mettre sa marque, marquer son territoire, dire son nom, caillou de reconnaissance. Mais j'entends aussi que ça s'écrit. Ça, ce nom qui est le mien et que je trace, grave, inscrit. Oui, ce besoin d'existence qui trouve à se dire dans un trait de crayon est folie. Oui, cette peur de disparaître est folle en moi. Mais il s'agit moins de dire je ou de se montrer que d'exister dans les lignes, les courbes, les circonvolutions. Être là, dans le trait maladroit qui tremble au mur. Cette trace, ce geste, c'est déjà être dans la distance, dans son acceptation. C'est avoir intégré l'écart avec le monde et la perte. Enfin, c'est une adresse et un rappel aux habitants de la maison. N'oubliez pas que je suis là, j'appartiens aussi à cet endroit. L'écriture est une autre manière de s'approprier l'espace. Mais la phrase qui m'est opposée me repousse à celui de la disparition, à l'endroit du vide et du silence qui est l'envers de l'endroit de l'écriture. Il y a un siècle, à quelques jours près, Virginia Woolf notait dans son journal que, pour écrire, il fallait être capable de se recroqueviller en boule pour frapper les gens en pleine figure. Elle dit « Je crois qu'il faut ». Et j'aime ce léger doute alors que sa phrase est sèche et brute. Je ne déteste pas sa violence adressée à la douceur, au sentimentalisme, écrire pour mettre au tapis. Mais avant, il faut trouver la détente et l'élasticité, et pour cela, repli nécessaire, se mettre en boule, comme on se met en colère. J'ai beaucoup écrit sur des œuvres et des artistes, des notions et des expositions. Écrire sur, est-ce écrire ? Je sais que c'était un détour, une manière d'évitement. Il a fallu passer par la bande. C'est le bureau de Georges Sand à Gargilès.
Je m'y suis projetée un matin ensoleillé de mai avant de m'y installer, regard sur la surface du bureau, les deux mains posées sur le dossier de la chaise. Temps d'arrêt, celui qui anticipe le geste à venir. Puis, assise à ma place, à ma table, au plat, les avant-bras posés contre le rebord. Ce que j'ai perçu dans cette image, c'est le geste d'écrire, la trace qui s'imprime dans la chair du cuir, du sous-main et le corps. C'est concret. Au dos, alors je me remets à l'établi. J'apporte mon corps, use la matière, tends les reins, bascule le bassin et descends les épaules. C'est une posture qu'il faut prendre et se laisser traverser. Faire monter, d'on ne sait où, mais à l'horizontale, jusqu'à la pulpe des doigts, puis l'encre, puis le papier, les mots choisis. En ouvrant ma pensée au désir, les mots appelés et travaillés prennent corps dans les mains. Dans les aspérités et les taches blanches du sous-main, je cherche à l'aveugle de quoi me nourrir, y devine des paysages de vallées noires, des constellations qui font revenir les rêves. S'il s'agit d'une écriture de soi, elle parle moins de soi qu'elle ne part de soi en ne revenant pas nécessairement. Se mettre à table, se mettre à la table, il n'y a plus qu'à écrire sur elle, note le poète Francis Ponge, un matin de décembre 1967. Remettre sur l'établi, comme le notait l'écrivaine Marie-Hélène Lafon. Dans le chantier, on y est, à l'établi, in situ, et c'est une place dans le monde, un creux pour le vertige et la jubilation. Ensemble, les deux, à fond, à fond, à fond. Le texte se fait en se faisant, le verbe se fait chair, et la chair des choses s'incarne par le verbe. C'est circulaire, ça fait corps, corpus, et on publie un livre, puis un deuxième, un troisième, et on continue, ça continue. Il faut demander aux morts ou aux absents, aux inconnus des livres pourtant connus par leurs mots, leurs phrases, leurs pensées, leurs noms. Il faut s'entretenir avec eux comme avec chacun. C'est une communication des esprits. Ils finissent par faire partie des proches, nous montrent la voie. Même si la page est blanche, elle est déjà noircie de mots antérieurs, de phrases, d'idées, de pensées, écrits par d'autres, des mots que d'autres ont choisis avant nous et qui nous traversent et nous regardent derrière le voile de cette page. Tout un amoncellement de petits cadavres à l'encre noire qui affleurent à la surface du papier. Je vais dans la maison familiale qui n'est plus celle de l'angle de l'avenue de la gare, de l'école du sol pleureur, des sons qui cherchent à se former et qui n'a de l'enfance que les souvenirs rangés dans des boîtes, les photos accumulées. Ce n'est pas un retour et dans ce lieu, il n'y a pas d'histoire. Tout m'échappe. Je cherche à retenir quelque chose. Je cherche d'abord dans les images. Et il y en a des caisses pleines. Quelques photos dans une enveloppe avec mon prénom. J'ai 6 ou 10 ans, 3 ou 18. Je vois ce visage et ce corps. Je le reconnais comme mien sans qu'il le soit. Différents formats, des polaroïdes, des photos en couleur, d'autres en noir et blanc. Ce corps et ce visage ressemblent à des images d'enfance. Et d'autres images, puis d'autres et d'autres encore que je suis venue consulter en attendant quelque chose qui ne vient pas. Le passé est définitivement passé. Il n'y a aucune vérité à en tirer. Le « j'ai été », là ou ça, n'est plus rien. Ce sont des images et des temps révolus. Elles ne me ramènent pas ailleurs, ne sont que brèves incursions de passé dans mon présent, mais en rien ne l'éclairent. Ce ne sont que des surfaces. Manque la couche ou l'épaisseur du temps qui pourrait les animer. Cet être en devenir n'est plus, ce qu'il est devenu est autre, tout est disséminé et fragmenté. Le geste d'écriture est une phrase qui ramasse ce qui est épars, morceaux de verre et images d'enfance. Un geste qui entrecroise, qui tisse. Alors je couds. Je reprends concrètement le fil de l'écriture afin de renouer ces morceaux épars. Je couds dans la lenteur, souvenirs et paroles glanées, mots reçus. Je couds des lettres, des mots, des phrases. Je les assemble par le fil dans le tissu fluide de la pensée. Alors, je peux vous avouer cette chose. Je crois que les mots sont des revenants, que les autres, de tous les temps, viennent nous hanter par les mots, depuis les livres, depuis les lettres ou depuis nos souvenirs. Mais aussi que tous les mots sont pleins de tous ceux qui les ont prononcés ou tracés,
qui les ont usées et que ça nous hante et nous habite, mais nous nourrit aussi à travers des images et des formes. Il fait sombre à présent, et dans le silence de la nuit qui avance, je me souviens du vertige des mots, du manque qui nous attache à eux, ces mots qui donnent vie aux images et ouvrent le regard, et je vous les adresse. Merci. Bonsoir. Donc, j'ai une question. A priori, c'est une première, la forme performée de la conférence ce soir. C'est ça? Non? Comme, a priori, c'était une... Non, ce n'est pas une première. C'est une conférence qui est en cours d'élaboration, c'est-à-dire que c'est une troisième version d'un format que j'ai déjà essayé à différemment. Quoi. Et donc, ma question, c'est pourquoi, à un moment donné... vous en arrivez à la nécessité de proposer une forme performée, puisque avant cette forme, il y a eu des conférences peut-être plus classiques. Tout simplement, d'abord parce que actuellement, j'enseigne dans l'université et qu'à l'université, on ne fait pas des conférences comme ça. Donc en fait, j'ai associé le terme de performer à conférence, même si ce n'est pas vraiment une performance, parce que justement je sors complètement d'un cadre qui serait un cadre universitaire, c'est-à-dire d'un cadre de présentation d'un travail de recherche, et que j'y mêle à la fois, vous l'avez vu, des récits qui viennent d'un livre que j'ai écrit, des images d'artistes sur lesquels je peux travailler, des références qui sont des références théoriques, et donc la désignation de conférence performée, elle vient de cette tentative en fait de faire coexister trois champs qui en général sont difficilement conciliables. Voilà. Donc là, je suis pas sûre que ce soit le bon terme conférence performée, mais en tout cas ça recouvre quand même cette tentative qui est vraiment de faire coexister du théorique, c'est-à-dire de l'histoire, des questions liées à l'écriture, des œuvres artistiques très contemporaines qui, selon moi, interrogent cette notion de geste d'écriture, et puis des choses qui sont liées à ma propre pratique d'écriture en fait. Oui, mais il y a la nécessité de faire une forme. Peut-être que performer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas, là, on sent qu'il y a une nécessité de montrer une forme autonome. Oui. Et donc, est-ce que vous arrivez à identifier pourquoi, à un moment donné, il y a eu ce besoin de produire une forme spécifique plutôt que de rester dans Ça correspond à ce territoire que j'essaye de à la fois d'occuper et puis de lui donner une forme de ce territoire d'entrecroisement en fait. Je pense que la question elle vient aussi de la manière, mais je pense que ça devait être pareil avec alors peut-être pas dans les étudiants à la fac, je sais pas dans quelle mesure ces questions-là elles sont poussées, mais en tout cas avec les étudiants en école d'art, en tout cas c'est l'idée de montrer justement que enfin moi c'est ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vient de voir, c'est que pour moi ça doit faire tilt avec vos mémoires en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire écrire un mémoire quand on est étudiant et quand a priori on a une manière spécifique d'aborder la création, évidemment, mais du coup, une manière spécifique de traiter, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de se saisir des questions qu'on va dire plus théoriques sur un sujet, etc. Et du coup, je pense que cette idée de croiser justement différentes formes de parole, différentes manières d'aller chercher des informations et de vouloir les retranscrire, à mon avis, elle est très féconde, et c'est peut-être là où justement, parce que vous allez donner une forme spécifique à l'écriture, notamment dite mémoire, mais pas que, puisqu'évidemment ça dépasse, là on est sur un exercice très précis, mais ça peut être des autre chose que le mémoire, évidemment l'écriture, je pense, c'était la question d'Émile, et c'est là où on peut vous attendre au tournant, et c'est là où vous serez aussi
pertinent, finalement. Donc, je ne sais pas, par rapport aux étudiants actuellement, c'est des étudiants en littérature, du coup, ou en art ? Non, j'enseigne dans un département d'art plastique. Et du coup, par rapport à ce qu'on doit être en plein dans ces questions, justement. Mais moi, j'enseigne l'esthétique. Ah, l'esthétique. Voilà. Ah. D'accord. Bah, peut-être préciser à nos étudiants ce que c'est que l'esthétique. Bah, l'esthétique, c'est en fait une discipline qui appartient au grand champ de la philosophie de l'art. L'esthétique, c'est une discipline spécifique qui apparaît au XVIIIe siècle et qui s'intéresse à l'esthétique. Ça vient de aesthésis, qui veut dire sensation, qui s'intéresse à la question de la sensation, c'est-à-dire comment. Qu'est-ce qu'on éprouve d'un point de vue sensible quand on regarde de l'art ou quand on regarde des choses qu'on trouve belles, hein. La naissance de l'esthétique, c'est cette question-là, alors que jusqu'au XVIIIe, ce n'est pas une question qu'on se posait tellement, puisqu'on se demandait plutôt ce que c'est que le beau, est-ce que c'est que la création. Et voilà. Donc c'est du point de vue, c'est une dimension peut-être plus subjective, au sens où c'est le point de vue du sujet qui intéresse l'esthétique, en fait. Donc bah, moi j'enseigne ça. Donc c'est une discipline théorique. Hein. J'enseigne la philosophie en fait globalement quoi. Donc c'est aussi, c'est-à-dire que j'enseigne la philosophie à des étudiants qui sont en art plastique. Et c'est pour ça que ça m'amuse parce qu'en fait je suis jamais à l'endroit, enfin je suis jamais au bon endroit quoi. Donc c'est toujours et pour rejoindre sur cette question qui m'a été posée et sur la nécessité de cette forme-là de présentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément d'arriver à faire s'entrecroiser ces trois champs, en fait, et sur lesquels je travaille depuis de nombreuses années. Et c'est très anecdotique, mais en même temps, ça me semble aussi un peu symptomatique. Je vous ai lu des passages d'un livre que j'ai écrit, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Écrire, écrire, écrire ». Et ce livre est un récit, en fait, mais un récit qui, justement, entrecroise, vous l'aurez remarqué, parce que certaines mentions des artistes que je vous ai montrées provenaient du livre, d'autres provenaient du texte que j'étais en train de vous lire. Et donc, ce texte-là entrecroise un peu d'histoire d'écriture, le petit récit que j'ai fait des légendes de l'écriture, c'est dedans, mais aussi, j'y parle d'artistes. Et donc, déjà là, dans ce récit-là, j'ai essayé justement d'entrecroiser. Et pourquoi cette notion d'anecdote, c'est parce que, par exemple, les libraires ne savent jamais où mettre ce livre. Est-ce que ça se met en théorie de l'art ? Non. Est-ce que ça se met en littérature ? Pas vraiment non plus. Est-ce que ça se met... En fait, il n'est jamais au bon endroit. Mais bon, je pense que c'est le bon endroit de ne pas être au bon endroit. Donc ça me convient tout à fait, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en avais peut-être une pour montrer comment on met en œuvre un processus de chercheur par la porte d'entrée de cette question qui est posée à différents... Ce n'est pas que des artistes, je pense, il y a des écrivains, etc. Et donc, qui a été initiée en 2018, c'est ça ? Donc, ça fait 4 ans. Et comment s'est décidé le protocole ? Enfin, d'abord, est-ce qu'il y en a un ? Est-ce que l'enjeu, c'est d'avoir 200 réponses ? Ou est-ce que c'est d'écrire une fois par mois pour demander ? Est-ce que c'est au fil des rencontres ? Quand est-ce que ce processus-là, il sera fini ? À partir de quand on tire une conclusion, etc., etc. Alors, cette enquête, qui n'est pas vraiment une enquête, parce que en termes de sociologie, l'enquête, c'est vraiment un processus particulier. Donc moi, j'utilise le terme d'enquête parce que j'aime bien, puis ça a un côté un peu policier. J'essaye de savoir, en fait. Et donc, j'ai démarré cette enquête parce que, j'ai écrit une thèse il y a quelques années. Tu l'as signalé en introduction, j'ai travaillé sur les écrits d'artistes. Et cette thèse portait justement sur les artistes qui écrivent, et notamment les artistes des années 60. Et donc j'étais concentrée sur une période historique. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment, pourquoi surtout des artistes écrivent, déjà, quelle nécessité. Et ensuite, en l'occurrence, dans les années 60 en tout cas, c'est une nécessité critique et politique. C'est pas le cas de toutes les périodes, mais en tout cas à ce moment-là, c'était singulièrement une dimension critique et politique. Donc pourquoi ils écrivent, mais aussi qu'est-ce que ça produit dans le regard qu'on porte sur les œuvres. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, le fait qu'il y ait du texte,
et qui soit disponible, évidemment, hein, qui ne soit pas dans des cartons au fond d'un atelier, cette textualité-là, est-ce qu'elle modifie le regard qu'on porte sur les œuvres ? Donc ça, c'était une question qui m'avait intéressée et qui a fait l'objet de cette thèse. Et ensuite, j'ai voulu, en fait, j'ai commencé un travail de recherche, justement, sur des pratiques d'écriture contemporaines. C'est-à-dire de regarder aujourd'hui comment certains artistes qui ont un rapport à l'écriture... Alors, il y a toujours eu des artistes qui s'intéressent à l'écriture. Hein. On voit les périodes, comment ça se modifie aussi, hein, selon des nécessités, justement, parfois critiques et politiques. Il y a eu beaucoup de traités techniques, puis il y a eu aussi des relations entre les artistes et les poètes, de tout le début du XXe siècle, par exemple. Et il me semble que depuis, on va dire, les années 80-90... Il y a quelque chose qui s'est modifié dans la relation que certains artistes ont avec l'écriture et qui est justement ce que j'essayais de développer dans cette conférence, quelque chose qui est de l'ordre de l'incorporation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un texte qui vient se lire en regard de l'œuvre et donc qui porterait une dimension théorique, même s'il y en a, hein, ce n'est pas une généralité absolue. Il y en a qui théorisent leur travail dans des textes, mais que la question de l'écriture, en fait, est intégrée dans un geste artistique. Et donc, c'est le travail de recherche que j'ai entamé porte là-dessus. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai lancé cette enquête, parce que ce que j'ai donné comme nom, en fait, à cette nouvelle modalité d'intégration de l'écriture dans le geste artistique, c'est cette notion de scription que j'ai évoquée pendant la conférence. Et cette notion de scription, quand on en regarde la définition, l'une des définitions, c'est l'écriture en tant que suite de gestes. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est aussi, parfois, on lance une enquête parce qu'on essaie de comprendre quelque chose qu'on ne saisit pas très bien. Et c'est parce que je ne saisissais pas très bien ce que ça pouvait désigner, cette écriture en tant que suite de gestes, que je me dis, bah tiens, je vais interroger les gens que ça peut concerner. Donc, il y a, dans l'espèce de partition libre que je vous ai lue debout, c'est un agencement de, je ne sais pas, il doit y avoir une vingtaine de réponses que j'ai agencées comme ça dans un texte continu. Il y a des propos d'artistes, il y a des propos de philosophes, il y a des propos de poètes, il y a des propos d'écrivains. Tout ça est tissé sans hiérarchie aucune, sans distinction. Et donc cette enquête, en fait, ça me fait une matière aussi très contemporaine sur la manière dont écrivains et artistes travaillent cette question de l'écriture et l'intègrent à leur propre pratique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'enquête, je trouve des choses qui sont parfois... certains écrivains me donnent des réponses extrêmement, pratiques. Il y en a un qui m'a raconté que quand il écrivait un livre, c'est un romancier un peu connu, enfin pas un peu, assez, et qui me raconte dans la réponse qu'il me fait que quand il écrit un livre... Il bute sur des phrases, et quand il bute sur des phrases, il se lève et puis en fait il tourne autour de sa table qui est grande et il me dit elle fait je sais plus 3 mètres sa table, et donc il installe tous les documents dont il a besoin et puis il tourne autour de sa table, et donc il a calculé le nombre de kilomètres qu'il faisait par livre, et je trouvais ça assez amusant parce qu'en fait justement ce qui m'intéressait c'était le rapport au corps, vous l'aurez sans doute compris, donc comment est-ce que dans cette pratique dont on peut supposer qu'elle est une pratique essentiellement mentale, en fait, il n'y a que du corps, quoi. Enfin, c'est pour ça le dos tordu, l'image du dos tordu que je vous ai montré, le récit de l'apprentissage de l'écriture quand on est enfant, tout ça c'est très lié au corps. Et donc c'est là que se rejoignent justement les pratiques artistiques et ces pratiques d'écriture, voilà. L'idée, c'est de continuer encore à collecter Alors, il faudra bien que je m'arrête un jour, parce que c'est sans fin, forcément. Mais comme je travaille sur un prochain livre qui porterait là-dessus, je mettrai fin avec le livre. Ouais, voilà. Mais en même temps, ça me passionne. Donc, surtout que les gens sont plutôt généreux. Enfin, il y en a qui m'ont envoyé 10 pages. Bon, parfois, c'est 3 phrases. Hein, mais ça fournit une matière absolument passionnante. En fait. Et alors moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que dans les images qu'on a vues justement, c'était manuscrit les réponses. Alors, est-ce que tous... Il y a une pour l'instant. Ah, et voilà, parce que comme c'est celle qui a été choisie, je me suis demandé s'il y avait aussi, s'il y avait une intention de ta part
d'avoir choisi cette image ou si justement il fallait répondre si spontanément il répondait de manière manuscrite ou si c'était par mail, parce que du coup ça pose vraiment cette question, c'est-à-dire écrire à la main ou écrire à l'ordinateur sur les questions de corps, de... Voilà, donc c'est une enquête, je lance, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être... en général, voilà, c'est une phrase, donc c'est très simple. C'est-à-dire que je dis juste, dites-moi ce que ça évoque pour vous, cette phrase, l'écriture en tant que suite de gestes. Et je leur dis, tout est possible. Ça pourrait être même un enregistrement. Enfin, c'est une artiste qui est aussi poète, qui s'appelle Christine Herzer, qui a un travail assez extraordinaire. Et donc elle m'a dit, en fait, moi, je donne un papier. Mais d'autres m'écrivent des mails, d'autres m'envoient des documents. Enfin, il y a des formes multiples, mais celle-là me semblait aussi, très symptomatique de cet entrelacement entre le dessin et l'écriture, en fait, parce que on est presque dans du dessin. En fait. Mais l'idée que j'ai aussi, c'est que le travail de recherche que je fais, évidemment un travail de recherche, donc je vais écrire un texte qui sera, comment dire, qui fera une synthèse, une analyse et une synthèse de toutes les réponses que j'aurai eues, mais je voudrais les publier aussi, ces réponses-là, telles quelles, c'est-à-dire cette page-là, telle quelle, ça c'est un poème écrit par une poète contemporaine qui s'appelle Virginie Poitrasson. Ben, je voudrais la mettre telle quelle, etc. etc. Enfin, tout ça, je voudrais mettre les choses telles qu'elles ont été reçues. Quoi. D'autres questions ? Merci. C'est par rapport à votre... quels sont les rapports justement entre oralité et écriture, et notamment en fait, l'oralité comme façon parallèle en fait, à l'écriture de pensée, puisque c'est aussi des fois durant des discussions que des idées jaillissent. Et en fait, c'est vrai que c'est des gestes qui ne sont pas exactement les mêmes, et pourtant ça reste des gestes. Et je voulais savoir, en fait, vous, dans vos recherches, si en fait, vous avez amené à des portes sur l'oralité ou à... aussi au son produit par le geste. Voilà. Alors, c'est une très bonne question et c'est une question difficile parce que je l'ai évoqué, il y a toute une tradition en philosophie notamment qui considère que l'écriture, Platon, il explique que l'écriture ne lui plaît pas, enfin elle est problématique parce que elle vient figer la pensée et que il faut laisser à la pensée sa possibilité de se régénérer, de se mobiliser, etc. Enfin, que c'est l'idée même du mouvement. Et sa tradition, elle court jusqu'à Diderot, on la retrouve. Donc c'est une chose très intéressante qui vient apparemment en contradiction avec l'idée d'un geste, même si vous avez raison, l'oralité est aussi un geste. Ça, c'est une question très intéressante. J'ai eu une discussion avec une philosophe qui apparaît d'ailleurs dans le petit texte que je vous ai lu, parce que c'est elle qui raconte son fils qui écrit son Y à l'école, entre 8h22 et 8h25 du matin, qui a eu pendant des années une revue avec un groupe de chercheurs, et la revue s'appelait Geste. Et quand je lui ai posé la question, cette question-là, qu'est-ce que l'écriture en tant que suite de gestes, elle m'a dit, c'est une discussion qu'on a eue sur tous les numéros, est-ce que la parole est un geste ? En fait, est-ce que justement l'oralité est un geste ? Elle me dit, toute notre question, enfin toute la problématique qui a été la nôtre pour penser la question du geste, c'est est-ce que le geste, c'est le corps ou pas ? Est-ce que l'oralité, c'est le corps aussi ? Et donc là, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, parce que pour l'instant, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question de l'inscription. Quand je parle de scription, c'est aussi parce que cette inscription, c'est une marque. Il y a aussi cette idée, cette prégnance qui court dans toute l'histoire même de l'écriture, que
le geste d'écriture depuis Sumer, depuis l'écriture cunéiforme, c'est ce qui résiste au temps. Hein. Donc, alors que je ne vais pas utiliser des formules quand même un peu bêtasses, mais voilà, la parole non. Quoi. La parole, elle s'efface, quoi, elle disparaît. Donc c'est aussi le geste d'écriture tel qu'il m'intéresse, en tout cas, c'est aussi dans cette capacité, cette forme de résistance, entre guillemets, hein, évidemment, cette forme de résistance à la disparition, en fait. Je ne réponds pas vraiment à votre question, mais parce que je n'ai pas de réponse, tout simplement. Voilà. Non, mais c'est ce qui était intéressant, ce qui m'a intéressé dans ce qu'elle m'a raconté, c'est que vraiment, ils avaient vraiment eu cette difficulté-là dès l'origine. Est-ce que le geste, c'est du corps, en fait? Est-ce que le geste, c'est un geste du corps? Est-ce qu'il y a d'autres gestes que des... Est-ce qu'on peut penser d'autres gestes que ceux liés à la question du corps? Enfin, à la présence du corps. Mais je ne sais pas s'ils ont répondu. Je crois qu'ils étaient plutôt d'accord sur l'idée que ça, c'était quand même le corps qui faisait des gestes. Mais bon. Est-ce que je peux me permettre de poser encore une question ? Bah oui, bien sûr. Merci. Et du coup, justement, ça enclenche du coup des questions par rapport à, en fait, la lecture et du coup, encore une fois, la lecture performée. Et du coup, aussi, la réactivation, j'imagine, du geste de l'écrit. Enfin, il y a le geste de l'écrit qui est une inscription, et puis après, il y a la façon dont il vit et dont il est reçu. Et du coup, si l'oralité, c'est un truc qui n'est pas contre la disparition, il y a en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la réanimation de certaines choses, enfin, je sais pas. Enfin, bref. Voilà. Réanimation, c'est-à-dire quoi? C'est le fait de réitérer des situations d'oralité et qui permettraient de maintenir quelque chose, c'est ça? Ben, il y a le fait que l'écriture en elle-même, si elle est de l'ordre en fait du reste d'une chose, parfois l'oralité, elle est jamais exactement le reste d'une autre chose en fait, contrairement à l'écrit qui peut être la retranscription d'une oralité. Enfin, je crois. Et du coup, justement, bah, vous en plus qui venez de faire ce qui s'apparente à de la lecture performée, eh bien, quelle est la place justement de cette lecture, de cette performance dans le rôle de l'écriture en fait, qui est à lire, soit par soi-même, soit qui est à partager par sa propre voix et par sa performance. Du coup, alors, avant de répondre à cette question, je ne sais pas si je vais y arriver d'ailleurs, juste une chose quand même que je voudrais spécifier, je l'ai évoqué, mais je pense quand même, et là j'irai justement contre cette tradition platonicienne, hein, qu'en fait il y a quelque chose dans l'écriture qui est aussi de l'ordre de la pensée. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas seulement un geste de transcription d'une pensée qui est là et qui, tout d'un coup, on va simplement donner à voir, former, en fait. Et que c'est aussi... C'est, d'abord, je le pense, et ensuite, je l'expérimente aussi. C'est qu'en écrivant, on pense, en fait. Et qu'on n'est pas... Je veux dire, c'est pas la machine à écrire, le fait de... Quel que soit le geste, d'ailleurs, hein, mais... Il y a quelque chose qui apparaît dans le geste même d'écrire, quel qu'il soit, que vous écriviez à la main, à la machine à écrire, à l'ordinateur, ou à ce que vous voulez, c'est la même chose. C'est pas la technicité, même si elle est essentielle, parce que ce n'est que technique, c'est un geste que technique. Hein, il n'y a aucun moment où le geste d'écriture n'est pas un geste technique. Hein. Même avec votre stylo, avec vos doigts, c'est un geste technique. D'ailleurs, si vous avez des souvenirs de votre apprentissage de l'écriture, vous le verrez que c'est un geste technique. Et en plus, c'est un geste qui toujours passe par un objet, en fait. Contrairement justement à l'oralité. Donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui apparaît et qui est de l'ordre de la pensée, d'une pensée qui serait justement actualisée par le geste de l'écriture, qui apparaît dans l'écriture. Hein. Et ça, à mon sens, c'est fondamental. C'est qu'il y a, l'écriture n'est pas simplement la transcription d'une pensée existante en tant que telle, et qu'on pense en écrivant, en fait. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, sur la forme de la conférence performée et de ce qu'elle... Je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. Pour moi, c'est une forme totalement indépendante qui, de toute façon, n'a pas vocation à se maintenir, pour le coup, et que j'aime bien cette dimension-là, cette forme de disparition-là. Pour moi, c'est le texte qui continue à exister. Et donc, c'est aussi ce qui me permet de, je l'ai évoqué, c'est la troisième forme sur une structure à peu près équivalente, c'est la troisième forme expérimentée de cette conférence performée. Je pourrais faire encore une autre demain, ça ne me gêne pas du tout, et ça ne me gêne pas que ce soit des choses différentes. En fait, si quelque chose se maintient là, c'est à la fois, finalement, c'est le texte qui est lu, d'une part, et c'est le corps, comme un corps exprimant le texte, en fait. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Merci beaucoup. Bonne soirée.